pas plus que la mienne ne les regarde. Je regrette que vous ne vouliez pas tendre la main à cet élève. Bonne. Chacun son boulot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Changer d'avis, je me mets à la boxe. Qu'est-ce que t'as fait, là? Ça va? Va te habiller, toi, t'en as assez fait pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plus, c'est mon fait. Allez. Allez, hop. Debout. On était content avec Bernard, il y avait une petite copine, tout allait bien. Un garçon, quand on l'a accroché, il faut savoir le garder. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde est libre. Eh ben, voit le résultat, hein. Maintenant, il te file entre les doigts. Mais faut savoir se battre dans la vie, qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien passé, tout va bien. Tout va bien. Bon, tu viens, on va dans ma chambre. Ton entraîneur a téléphoné. Ah bon? Pourquoi tu vas plus à l'entraînement? Vous avez parlé de moi? Non. Enfin, oui, un peu. Un peu? Faudrait peut-être que tu grandisses maintenant. Que tu apprennes à prendre des décisions. Parce que moi, je vais pas t'attendre toute ma vie. Vincent. Je croyais que je te plaisais. J'ai l'impression d'être face à un étranger. Mais de toute manière, t'as toujours été mou. Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que t'as maintenant? Vincent, c'est pour toi. T'as encore ton entraîneur? D'accord. Oui, j'ai dit d'accord. Faut qu'on parle. Faut que j'y aille. Peut-être que j'aurais mieux fait de ne rien vous dire. C'est ça que tu comprends. Quelle que soit ta vie, t'as pas le droit de gâcher tes chances. Dis-toi bien que je suis là pour vous entraîner, moi. Je ne suis pas une assistante sociale. Et j'ai horreur que les gars me fassent des problèmes. Tu considères peut-être que ton niveau te permet de te reposer sur tes lauriers, c'est ça? Mais t'attends quoi les jours de la compétition? T'espères quoi? Les autres, à la limite, je leur demande seulement d'être de bons nageurs. Mais toi, tu dois être le plus fort, tu m'entends? Tu veux tout foutre en l'air, c'est ça? Est-ce que tu as déjà essayé de compter le nombre d'heures que tu as passé à t'entraîner toutes ces années? Hein? Mais ça fait un sacré paquet, crois-moi. C'est pas votre problème. Tu dois accepter qu'on t'aide. Sinon, tu vas droit dans le mur, là. Qu'est-ce que vous en savez, vous, de ce que je vis en ce moment? Tout ce qui vous intéresse, c'est les performances. Et toi? Tu sais quoi de ma vie exactement? Hein?
crois pas que ça peut être une vraie chance pour tous les deux? Si on considérait que nos deux vies respectives, ben on s'en fout, on n'en parle pas. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Vincent, tu dois revenir au club. Tu dois te battre. Tu dois leur prouver que t'es le plus fort. Hein? Tu penses bien que ça leur ferait trop plaisir là, si t'arrêtais? Parce que t'as pas compris que c'est tout ce qu'ils attendent? Que t'abandonnes la compétition? Hé. Hey. T'as déjà remarqué que ça dérange pas les gens que leur coiffeur soit pédé? Je trouve ça normal à la limite. Alors tu dois leur montrer que même si tu préfères les garçons, bah c'est pas pour ça que tu vas ouvrir une boutique de fleurs et abandonner la natation, hein? Tu vas leur montrer que t'es prêt à continuer et que tu peux gagner une compétition, hein? C'est pas... Et tape là avec ton poing là. Mets ton poing. Là. Vincent, tu l'aimes toujours ?